Vidéo fête de la Saint-Patrick. Bougez au rythme du Tadans tradition. Ce samedi 17 mars, c'est la Saint-Patrick, fête que savent si bien célébrer les Irlandais. Pour se mettre dans l'ambiance, quoi de mieux qu'un spectacle de Tadans, qui mêle danse et claquettes irlandaises. Ce samedi, c'est la Saint-Patrick, la traditionnelle fête irlandaise célébrée chaque 17 mars, en Irlande bien sûr, mais aussi depuis plusieurs années en France et partout dans le monde. Une occasion de plus pour se rendre dans un pub irlandais, cela va de soi, pour consommer avec modération des litres de bière, Guinness et Kilkenny en tête. L'occasion aussi, pour les Irlandais, d'évoquer leur culture et leurs traditions, comme le fameux Tadans. Musique celtique et claquettes aussi populaires qu'ancestrales, le Tadans reflète un certain état d'esprit irlandais, un esprit joyeux. Des pas toniques et énergiques, qui font retentir les claquettes sur une musique celtique, voilà ce qui fait le charme de cette danse traditionnelle. Une particularité, le haut du corps ne doit pas bouger. Les bras doivent donc rester le long du corps, tandis que les hanches, les genoux et les chevilles sont énormément sollicités. Voir aussi de trèfle, du verre et de la bière. On vous explique la Saint-Patrick en 60 secondes eau, son de Liam Pipe, ou de la cornemuse irlandaise. La troupe celtique Le Jean, que TF1 avait filmé l'an dernier, dans la vidéo du journal télévisé en tête de cet article, transmet la joie de vivre celtique au public depuis plus de 15 ans. La rédaction de Le Simi à jour, créée